Le survivant d'Hiroshima et de Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi était au mauvais endroit au mauvais moment à deux reprises. Il est le seul homme reconnu survivant des deux attaques nucléaires au Japon. À 3 km de l'épicentre, Tsutomu racontera plus tard qu'il a vu l'engin tomber. Pour l'heure, il a les oreilles sourdes, les yeux aveugles et une partie du corps brûlée au troisième degré. Il passe la nuit dans un abri de fortune avec d'autres rescapés et le lendemain, il rentre chez lui, à Nagasaki. À peine remis de ses blessures, il assiste à une seconde attaque nucléaire américaine. Tsutomu survit encore mais non sans douleur. Il est mort à 93 ans d'un cancer de l'estomac. Le nucléaire aura fini par avoir raison de lui.